parler. Alors, la ventriloquie, c'est simple, c'est l'art et la manière de respirer en avalant ses paroles. Alors, au lieu de parler en pulsant de l'air, on parle en aspirant. Comme ceci. Vous n'êtes pas obligé de serrer les lèvres complètement parce que vous allez étouffer, sinon. Approchez-vous, il fait. Oui, je vais faire la pile, hein. Faites. Ah, merci, D.E.F. Vous savez chanter, Frère Jacques? Voilà. Alors vous allez faire chanter à couscous, Frère Jacques. Alors attention. Il m'a compris, t'es pas sorti. Vous avez le droit de le faire parler, hein, de l'animer. Hein. Il peut bouger, vous pouvez mettre l'autre main pour le tenir. Attention, vous le tenez quand même. Voilà. Alors voilà. Et puis maintenant, vous allez faire Frère Jacques, Frère Jacques, dormez-vous, sonnez les matines, sonnez les matines, ding-dang-dong, ding-dang-dong. Bravo! Bah maintenant, on refait la même chose, mais sans bouger les lèvres. Alors attention, ça va être ici, hein. On fait marcher le ventre. Allez, comme ça. Le C'est un toucan, c'est ça. Voilà. C'est pas tout seul, celui-là. Oui, ça embrasse. Hein. Ouais, commence déjà à prendre l'habitude. Hein. Ça va. Vous voulez être tranquille. On commence à vivre alors. On a rien en plus d'abord. Non, frère Jacques, et puis ça, c'est un perroquet, donc il répète. Trouvez pas le trou. Allons-y. Alors, couscous en premier. Frère Jacques. Frère Jacques. On remet la même chose en couleur. Gérard, on applaudit très très fort, Gérard.